Wow. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes enfin arrivés le jour J. Incroyable, ma chérie. Je me marie. Je dois confesser que tu es en train de te marier avec l'un des bels hommes de notre royaume. Le meilleur, n'est-ce pas? J'aime bien ce que tu as dit. Je suis tellement contente aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vivre l'espérance de ce palais. Le service, le servant du palais et moi allons rejoindre mon mari dans son palais et je vais commencer mon propre foyer. Ah oui? Vous savez, ça c'est tout ce que je désirais dans ma vie. Wow! Chikosim, tu es là? Oui! Wow! Ma princesse, tu es incroyablement belle! Et je suis certaine que mon roi est impatient de te rencontrer. Oh. Bien, concernant ce sujet, je pense que les voitures sont déjà prêtes. Ah oui, bien sûr. J'ai hâte de voir Odinaka. Mais attendez, vous savez quoi? Il a refusé de me dire la couleur de sa veste. Ah, ma princesse, je pense qu'il essaie de te joindre. Oui, oui. Oh, oui, il m'a mis au téléphone. Oui. Oh. Hello, baby. Oh, désolée, je n'ai pas fait attention à mon téléphone quand tu as appelé. Princesse. Attends, Odinaka, tu t'es jamais adressée à moi. Ife, dis-moi. Odinaka, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, c'est quoi le problème? Rien, je vais bien, tout simplement. En fait, je ne viens plus. Je suis retourné chez moi. Pourquoi? Ouais, écoute, princesse, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Hein? Oh, quoi? Il a fallu un temps considérable pour être là, Kajota. Je suis désolé, Votre Majesté. Je veux voir la situation s'apaiser un peu avant de venir. Où est votre fils? Il devrait être ici avec vous. Oui. Mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu venir? Il a quelque chose de plus important à faire que de venir voir le corps de la fille qu'il avait tuée? Je suis désolé, Votre Majesté. S'il vous plaît, ne parlez pas ainsi. Mon fils n'a fait rien de mal. T'ai-je entendu dire qu'il n'avait pas l'intention de nuire? As-tu vu dans quel état la princesse se trouve? Si tu l'avais vu, tu n'aurais pas du tout dit ce que tu viens de dire maintenant. Oh non. Seul un imbécile dira qu'il ne comprend pas ce que la famille royale traverse en ce moment. Principalement la princesse qui a vu son mariage annulé. Mais croyez-moi, c'est pour le mieux. Le mieux? Mazer Kadita, je ne pense pas. Ton fils n'a pas seulement troublé la paix dans la famille royale. Il a troublé la paix du royaume entier. Oui, Kadjenta, Ichie Kyonko a raison. L'acte qu'a posé ton fils est vraiment une abomination. Pas seulement pour la famille royale, mais pour le royaume entier. Je sais, Ndiche. Mais vous n'êtes pas les seuls blessés dans cette situation. Il est également blessé aussi. Depuis lors, il ne fait que boire. Et sincèrement, mon roi, je deviens très inquiet. Bien, d'accord. Mais pouvons-nous du moins connaître la raison qu'il vous a donnée pour son action? Il a eu une révélation. Une révélation mortelle qui plane sur sa vie. Donc, il n'y a aucune option que d'annuler le mariage. C'est depuis Enugu qu'il a appelé la princesse. Je ne comprends pas ceci. Êtes-vous en train de dire que votre fils a annulé le mariage avec ma fille?
juste à cause d'une révélation? Comme je l'ai dit, Votre Majesté, une révélation. Une révélation qu'on peut laisser passer. Mais ça continue toujours à réapparaître. Quand mon fils m'en a parlé premièrement, j'ai pris ça comme la parole d'un fiancé infidèle. Mais il a eu encore cette révélation à la veille du mariage, ce qui devient une menace pour sa vie. En tant qu'un père, je ne badine pas avec la vie de mon fils. Donc très tôt ce matin, avant qu'il n'annule le mariage, nous sommes allés chercher des explications auprès de Oba Okojanglo, qui nous a conseillé d'annuler le mariage. Sinon, la vie de mon fils est en danger. Est-ce que vous écoutez vous-même? Votre fils a abandonné ma fille le jour du mariage. Et vous êtes venu ici pour me dire des choses qui n'ont pas de sens? Oui, Votre Majesté, comme je l'ai déjà dit, cette révélation, je pourrais l'ignorer, mais elle réapparaît toujours. Votre Majesté, quelque chose ne va pas bien. Oui. Khadija, es-tu venu ici pour insulter la famille royale en vomissant cette bêtise? Votre Majesté, au lieu de traîner sur cette question, pourquoi ne pas chercher la raison cachée derrière? Certainement, quelque chose ne va pas bien. Et c'est à vous de chercher à savoir ce qui se passe. Définitivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis d'accord avec toi, Khadija. Mais pas avec moi et ma maison. Mais avec vous. Toute votre maison est avec votre fils maudit là. C'est pourquoi elle agit de la sorte envers ma fille. Que pensais-je même en consentant à ce mariage en premier lieu? Apaisez-vous, Votre Majesté. Vous êtes fâché et vous en avez pleinement le droit. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas aussi imprudent avec les choix de vos mots ou de vos actions. Vous êtes le père de la princesse et surtout le plus important, notre roi. N'allez pas trop vite en besogne. Oh non, vous avez raison. Je suis le père de ma fille. Et c'est pour cette raison que je dois faire décapiter cet homme. Ah, et l'envoyer dans la chienne. Non, Votre Majesté. Il ne fait que représenter son fils. Je sais que c'est difficile, mais essayez de contenir votre colère. Nous savons que la personne que nous avons convoquée n'est pas venue. Mais c'est lui qui a eu assez de courage de venir ici, nous expliquer, en fait, nous fournir une meilleure explication, ne doit pas être un bouc émissaire. Père, tu es là. Père, tu es là. Papa, tu es là, père. Ma princesse. Mon père, tu es venu me chercher, n'est-ce pas? Tu es venu me prendre pour que nous puissions aller ensemble. Et papa. Oh, ma princesse, je suis désolé. Non, père, tu n'as pas raison. Non, tu ne dois pas être désolé. Odinaka doit être déjà là. Et moi, je suis là. Tu es mon beau-père, donc tu as le plein droit de venir me chercher pour que nous allions ensemble. Allons-nous-en, père. Allons-y, papa. Je suis désolé. Père. Non. Je vous appartiens. Je suis à vous, père. Nous appartenons. Je suis à vous, père. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Adoujou, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le problème? As-tu pris des médicaments? Ah, maman, pardon, doucement. Une question à la fois. Obiando, laisse ta mère. Tu sais comment elle pourrait être quand elle est curieuse. Je suis inquiète. Peut-être qu'il est occupé prendre des décisions contre toi. Pour quelle raison? Parce que le mariage a été annulé? Oui, et c'est toi qui as causé tout ça. Probablement, il le prendra avec de bonne foi. C'est vrai ça? J'espère ainsi. Il était tellement fou de colère. Et quand il parlait, il rugit comme un lion blessé. Et il n'était pas le seul. Même la reine. Mais avec le temps, il comprendra mieux. L'as-tu expliqué à propos de ces révélations? Pas en détail.
Je lui ai dit ce qu'il a besoin de savoir. Pourquoi cela s'est passé? Cela lui revient de chercher la solution. Papa, comment va alors la princesse? Elle va mal. La princesse que j'ai vue, la pauvre s'est agenouillée devant moi. Elle me supplie de rentrer avec moi. Je suis vraiment désolé pour elle. Mais que ai-je pu faire? Elle n'est pas la seule blessée. Mon fils l'est aussi. Je sais qu'il l'aime. Savez-vous, la peine qu'il a traversée avant de prendre son téléphone pour faire cet appel, j'aimerais faire quelque chose pour elle. Ça m'avait fait mal quand mon frère avait annoncé à la veille du mariage qu'il ne pouvait plus continuer avec elle. Et il a vraiment quitté Enoku le lendemain matin. Papa, tu ne penses pas que ce serait sage de ma part d'aller rendre visite à la princesse? Tu n'iras pas. Papa, quand même. Je te laisserai y aller. Si les choses n'ont pas pris cette tournure, j'ai difficilement essayé de m'en sortir de là, avec une grande peur. Ah, tu n'iras pas. Tu es la seule fille que j'ai. Tu es très chère pour moi. S'il te plaît. Pourquoi nos filles sont toujours déçues de cette façon? Pourquoi cela doit arriver à nos enfants? Comment une fille peut être maligne de passer par un père pour avoir les enfants? Hein? C'est tellement pénible! D'accord, père. Mes salutations à maman et Odo. Merci. C'était mon père, hein? Ouais, je sais. Est-ce que tout va bien à la maison? Ouais. Tout se passe très bien. Tout va bien. Es-tu sûr? Tout va bien, mon frère. Juste que... il est allé voir le Igwe aujourd'hui. Je suis tellement intéressé à en connaître le compte rendu. Est-il rentré à la maison? Tu parles comme si le Igwe va faire du mal à mon père. Est-il vraiment possible? Comment se porte-t-elle? Ton père l'a-t-il vu? Uche et elle va de plus en plus mal. Tu sais, parfois tu auras l'impression d'avoir fait une grosse erreur. J'aurais dû aller de l'avant avec le mariage et oublier cette affaire de révélation. Je veux dire, la jeter dans la poubelle. Et ignorer les conséquences qui peuvent en découler? Ça, c'est trop pour l'amour. Et vous aussi, qui écoutez et portez votre attention sur les féticheurs, la divination, toutes ces voyants et ça et là, en plein 21e siècle. Ouais, je sais que c'est moi qui t'avais demandé d'en parler avec ton père. Mais je n'ai jamais su que ça se terminerait ainsi. Attends. Donc, si tu as su, tu me conseillerais autrement? Ce n'est pas seulement ça. Mais ça n'a aucun sens. En fait, comment un voyant de notre royaume peut juste venir comme ça pour te demander d'annuler le mariage? Ne pourrait-il pas aller immédiatement chez les Igwe pour rendre cela un peu moins compliqué que ça? Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu sais quoi? J'aurais souhaité qu'il soit présent ici pour répondre à toutes tes questions-là. Mais ce que je ne comprends pas est quel crime le Igwe a commis pour provoquer les ancêtres comme ça. Il est allé plus loin pour me dire que les mains de Igwe sont complètement souillées. Mais concernant sa gestion du royaume de Isionato, cet homme est le meilleur roi qu'on ait jamais eu. Ça, c'est ton propre point de vue. Alors demande aux différentes personnes et tu auras des différentes réponses. Ne me dis pas que tu te sens désolé. Uche, penses-tu vraiment que ce que je ressentais pour elle n'était pas sincère? Oui, parce que c'est la toute première fois que je te vois aussi amoureux. Mais personne ne peut risquer sa vie pour l'amour.
Oublie ce voyant qui a tout foutu en l'air pour toi, mec. Ok. En fait, tu es en train de m'aider à aller mieux ou tu es en train d'empirer les choses? Le deux à la fois, mec. Est-ce qu'on sait pourquoi Odinaka a soudainement annulé le mariage? Soudain? Qui t'a dit que c'était soudain? Papa, j'étais avec la princesse lorsqu'il l'avait appelée. Et si ce n'était pas soudain, elle ne se serait pas fait belle pour l'occasion. Bien, tu as raison. L'information était venue tardivement, mais je ne pense pas que c'était soudain. Mon mari, que veux-tu dire? Écoutez, qui aimerait avoir une relation avec une famille incapable où il y a un homme très incapable qui se pare en roi? Le roi ne peut pas jurer qu'il ne connaît rien de la situation et c'est malheureux qu'il n'a pas résolu le problème. Il aurait dû s'en occuper. Papa, tu remets encore ça sur le tapis? Est-ce que tu peux pour une seule fois, par compassion pour la princesse, mettre à côté tout ce qui aurait pu se passer entre toi et le roi? Écoute, ma chérie, je suis désolé pour la princesse. Non, je suis désolé pour elle parce que elle ne mérite pas ça. Mais le roi, oh ouais, il mérite d'être blessé plus que 100 fois. Ouais, pour qu'il ait aussi le sentiment de ce que les gens souffrent toutes ces années. Les mêmes sentiments qu'ils ont. Mon mari, mon mari, pourquoi tu m'as parlé de ce désastre qui s'est passé là-bas au palais? Que cette jeune fille avait encore souffert de la perte de mémoire. C'est très malheureux, je sens pour la princesse comme je l'avais dit. La pauvre fille souffre à cause du péché du père. Et tu remets encore ça? Papa, qu'est-ce que le roi t'a-t-il fait pour que tu puisses le détester avec passion? Écoute, les ancêtres de cette terre me sont témoins que je ne déteste personne. Tout ce qui me concerne, c'est la justice. En fait, je lutte contre l'injustice. C'est pourquoi je fais ça. Et pour cela, je veux que tu cesses d'aller au palais. Je te demande pardon? Écoute, c'est un ordre. Et tu dois découvrir la façon de vivre ta propre vie. Je ne veux même plus te voir proche du palais. Papa, je suis une adulte. Je peux prendre mes décisions toute seule. Écoute-moi bien, fille. Ce que je t'ai donné est un ordre. Un ordre qui doit être obéi. Et si tu crois que tu es adulte comme tu viens de le dire, essaie d'aller à l'encontre de l'ordre. Mais papa, la princesse est mon amie. Elle fait face à beaucoup de choses en ce moment. Et ferme-la, ferme-la. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta fille? Honnêtement, je ne suis pas de ton camp. C'est son amie et elle doit aussi... Ferme-la aussi. Quelle est cette défense inutile que tu es en train de faire? Si tu n'as rien de positif à dire, alors ferme ta bouche. Ouais, si vous ne voulez pas manger, laissez la nourriture, je m'en fous. N'importe quoi. Comment oses-tu? Comment pouvais-tu t'humilier jusqu'au point de tomber aux pieds de cet homme? Quoi qu'il s'est passé, tu es toujours la princesse de ce grand royaume, ma chère. Que pensais-tu quand tu étais tombé au pied de cet ordinaire? Votre Majesté, sois calme envers elle. Tu connais très bien sa situation. Elle est très abattue et elle ne peut pas réfléchir pour le moment. Maintenant, je sais qu'elle était mieux sans lui. Pourquoi voulait-elle se tuer? Pourquoi voulait-elle me déshonorer? Pourquoi voulait-elle ternir la réputation de cette maison royale à cause d'un ordinaire? Père, il n'est pas un commun des mortels. Je l'aime. Il est mon monde. Et où en sommes-nous maintenant? Pourquoi n'a-t-il pas pu venir s'expliquer et régler les choses avec toi? Il t'a laissé et est parti. Il n'a même pas pu se montrer. Je connais Odinaka assez. Il ne prend jamais des décisions drastiques comme ça, sans une raison valable. Il m'aime. Quelle que soit la nature de l'amour que tu dis qu'il a pour toi,
Il aurait dû venir lui-même s'expliquer et non d'envoyer son père ici pour nous dire une stupide révélation. Quelle révélation? On a même parlé aux anciens. Et au fait, à propos de ces problèmes, au fait, sur toutes ces révélations, mais ils n'ont donné aucune réponse. Ils n'ont vraiment rien dit. En effet, ils ont dit à ton père de trouver la solution. On ne croit aucune de ces foutaises. Il n'a plus rien expliqué, ne lui donnant que quelques stupides excuses. Alors qu'il a parlé des révélations, pourquoi alors tu le prends à la légère? Je prends ça à la légère parce que ça n'a pas de sens. Tu n'as pas pu venir s'expliquer. Et je ne suis pas content du fait que ça aboutit à des stupides excuses comme ça. Père, tu... Assez! C'est assez cette folie de Odinaka. Il n'est digne ni de toi, ni d'aucun membre dans ce palais. Maintenant, je ne veux que tu mentionnes encore ce nom Odinaka dans ce palais. Et ça, c'est un ordre. Parle à ta fille. Je ne veux pas être provoqué plus que je l'étais aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce à moi que tu parles? Bien sûr que c'est à toi que je parle. À qui veux-tu que je parle alors? Tu es en train de me confirmer que c'est à moi que tu parlais avec ce ton, le roi vénéré? Oh, s'il te plaît, je parle au père de mes enfants, à mon mari et non au roi. Peut-on parler comme un homme et une femme? Ok, je t'écoute. Avec tout le respect, mon roi. C'était pas le moment de parler à une personne dans cet état. Condition? De quelle condition parles-tu? Parce qu'elle a été abandonnée le jour de son mariage? Est-elle la première? Non! Elle ne sera jamais la dernière. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Comment? Si Adema était ici, tu traites ce problème légèrement. C'est comme si ça ne veut rien dire chez toi. Ce n'est pas sa femme. C'est la vérité. Parce que si ce n'était pas le cas, tu n'allais pas lui parler dans cet état. Votre Majesté, notre fille était vraiment très choquée. Les autres filles pouvaient être mortes en ce moment. Mais notre fille est toujours en vie avec nous. As-tu lu le taux de décès dans ce pays? C'est 66%. C'est très élevé. Et 30% hors des 66 sont dans le même cas que notre fille. Vois-tu pourquoi on doit être reconnaissant envers Dieu? Parce que notre fille est en vie avec nous. S'il te plaît. Nous devons alors être très vigilants. Statisticienne, alors que veux-tu que je fasse? Donner l'image d'un espoir qui n'est pas là et qui ne sera jamais là? Écoute, Goma, ne pense pas que j'aime ma fille moins que tu le fais. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je veux qu'elle sorte de cette folie. Le jeune homme l'a déçu son jour le plus heureux. Et elle veut se noyer dans l'angoisse à cause d'un homme qui ne la mérite pas en premier lieu. Votre Majesté, s'il te plaît, calme-toi. Juste à propos de ce que tu viens de dire, je pense que nous devons faire quelques consultations. Consultations basées sur quoi? L'homme avait dit que
Il avait une révélation. N'est-ce pas que c'est une raison suffisante pour que nous ayons peur? Oh, Goma, il y a eu de révélation pareille. S'il en avait eu, Kadita nous l'aurait dit. Pourquoi veux-tu que je traverse ce long processus? Je te l'ai dit, l'homme-là ne mérite pas notre fille. Elle est mieux sans lui. Ma princesse, Alachi avait quitté votre frère à cause de la série de fausses couches qu'elle n'arrêtait pas de faire. Ça a été vraiment très douloureux. Mais le prince en est remis du choc. Tu as tort. Le prince n'a pas eu un choc. Il a encore tous ses sens, il vit normalement. J'ai juste réalisé que j'étais égoïste et injuste à mon frère. Je suis juste préoccupée à ce qui me concerne. Sa souffrance est du passé. Croyez-moi, le prince Hana est passé autre chose. Mais la vôtre donne du souci à tout le monde dans ce palais, parce qu'elle est encore récente. Deux fois, j'ai l'impression. Je sens comme si on est maudit. Je vous en prie, ma princesse. Vous êtes une royauté. Vous êtes toujours sous la protection royale, donc personne ne peut vous maudire. Alors pourquoi suis-je pas heureuse? Et pourquoi je dois toujours prendre des somnifères pour que je m'endorme? Et la nuit, quand je me réveille, je... des maux de tête et je me sens totalement troublée. Je sens qu'il y a une ça ne va pas. Je peux le sentir. Voulez-vous que j'appelle le docteur Amanda pour vous? Je n'ai pas besoin d'un docteur. Mais vous venez d'affirmer que vous êtes toujours obligé de prendre des pilules pour vous aider à dormir. Ce n'est pas bon pour vous. Vera, fini avec ces débats. Tu peux t'en aller. Mais hé, n'ose pas le dire à qui que ce soit. Je vais juste bien. Oui. Je ne voulais pas t'envoyer un message. Je tenais à t'en parler moi-même. Voilà pourquoi je suis venu ici, pour qu'on parle d'homme à homme. Alors même si tu ne veux pas en parler, tu ne veux pas qu'on évoque ces sujets, ne penses-tu pas que ça serait sage que tu me dises pourquoi tu as décidé d'infliger cette peine à ma sœur bien-aimée? Mon prince, si mes excuses feront en sorte que tout aille bien, croyez-moi, Jean, j'en aurais présenté des millions de fois. Je sais que ça ne changera rien, mais je vais toujours vous dire, je suis désolé. Ma sœur est dans la merde. Comme un cadavre ambulant. N'es-tu pas au courant de ça? Je sais et tu dois me croire. Je suis désolé. Profondément désolé. Pourquoi suis-je convaincu dans mon cœur que toi, tu as eu énormément du plaisir en ruinant la vie de ma sœur? Oh non, mais pourquoi tu dis une chose pareille? Attends, tu penses que ça m'a fait plaisir? Tu crois que j'étais content de tout annuler comme ça? Attends. Jette un coup d'œil. Aucun véritable homme Igbo n'aimera gaspiller son argent. Et comme tu peux le voir, j'ai dépensé pas mal de fortune pour ce prétendu mariage. Ce qui fait que mes amis et mes partenaires d'affaires des USA et du Canada étaient tellement déçus
Ils ont été déçus par ce qui s'est passé. Tu penses que je serais si stupide et aveugle pour faire une chose pareille sans aucune raison valable? Dis donc, prince, j'ai vraiment aimé ta sœur. Même Dieu sait que je l'aime beaucoup. Et je ne ferai rien pour la blesser. Maintenant, au lieu de venir ici et de me faire des reproches et me chercher des fautes, pourquoi ne pas aller demander ton père, le roi, ce qu'il a fait qui déclenche la colère de ses ancêtres? Quoi? Que veux-tu dire par là? Les rêves à répétition. Les rêves à répétition que j'ai eus avant le mariage. Dans ces rêves, un homme m'a dit « Je ne devrais pas épouser la princesse. » Et que si je fais le mariage avec elle, ma tête y suivra. Et il est allé plus loin en disant que le roi a commis un crime abominable et qu'il doit confesser devant le peuple. Quel crime, Odinaka? Tu as du kilo. Je dois te le dire, mon ami, tu as dépassé les bornes. Donc, après avoir détruit ma sœur, tu as le courage de mêler mon père dans cette affaire? Votre Majesté, ton père est le problème. Qu'il vous dise ce qu'il a fait contre les ancêtres. Ce qui a déclenché ce moment de misère. Assez! Je ne peux pas rester ici te regarder insulter mon père. Après avoir humilié ma soeur publiquement, lui refuser la joie qu'elle mérite. Non. Vas-tu l'enfermer? Mon père avait raison à ton sujet. La princesse ne mérite pas un homme comme toi. Prince, écoute-moi. Ça, c'est pour ma sœur. Que s'est-il passé? Et pourquoi est-il en colère? Vous vous êtes battu? Est-ce que vous continuez toujours à se battre? C'est juste un coup dans mon ventre. Oh merde! Tu vois, c'est ce que tu reçois quand tu déçois des filles qui ont des grands frères. Ah bon? Vraiment? Uche, je suis déçu de toi. Toi, tu es la personne à qui j'ai donné plus d'informations concernant ce problème. Je suis déçu que tu continues à dire la même chose que les autres disent. Vraiment. Je t'ai revenu hier très en colère. Maman devrait me calmer pour que je sois dans cet état. Maintenant, je vais être très direct. Tu vas oublier cet homme qui t'a déçu. Tu vas l'oublier. Et tu vas l'oublier maintenant. Mais pourquoi tu peux dire ça? Parce qu'il n'a aucune importance. Il n'a pas de honte. Il est insensible, incompétent. Pourquoi pleures-tu pour un homme comme ça? Arrête. Pourquoi essaies-tu de te détruire à cause de lui? Peux-tu arrêter ça? Arrête. Il est une malédiction. Je suis désolé, mais ce n'est pas cet homme-là qui mérite d'être à tes côtés. Assez! Ne sors plus.
un mot. Regarde-toi. Essaye bien de te regarder. Tu es une princesse. Tu es censée être traitée comme une reine. Mais tu ne veux pas t'accorder cette chance-là parce que tu es là toute la journée en train de pleurer à cause d'un homme qui ne s'inquiète même pas de toi. Écoute-moi. Tu ne vas plus mentionner ces noms-là dans ce palais. Aussi longtemps que cette famille est concernée, sache que Odinaka est mort. Mais... il n'y a pas de mais. Regarde-toi, laisse-moi te dire une chose. Il m'a dit qu'il t'aime, ok? Maintenant, pose-toi une seule question. Il t'a déjà appelé depuis qu'il est parti? Non. Tout simplement parce qu'il est irresponsable. Parce qu'il est fou. Parce qu'il est un idiot. Et parce qu'il ne t'a jamais, il ne t'a jamais même une seule fois mérité. Voilà donc, tu me feras plaisir d'oublier cet homme pour toujours. Et tu nous reviendras. Tu nous manques. On veut que tu reviennes. Ai-je été assez clair? Ai-je été assez clair? Très bien, Votre Majesté. Je serai là dans un instant. Écoute, Assi. Écoute, Assi. Oui, Nai. Nai, où est-ce que tu vas? J'ai presque fini avec le repas. Oh, je vais manger quand je serai de retour. Ah, mais n'est-ce pas toi qui m'as demandé de te préparer quelque chose à manger? Oh, ne m'as-tu pas entendu? J'ai dit que je vais manger quand je serai de retour. Ou veux-tu forcer la bouffe dans ma bouche? Ok, si tu le dis. Ok. De toute façon, je t'ai appelé pour t'informer que je vais au palais. Tu vas au palais? Mais est-ce que tu n'as pas conseil des anciens aujourd'hui? Wow. J'ai oublié que tu es mon contrôleur, la personne qui détient ma vie juste sur ses mains. Désolé, je suis désolé. C'est juste que... non, c'est rien. Beaucoup mieux, écoute assez. Qu'il y ait conseil ou pas conseil, je suis au Nohou. Il y a des choses que le roi et moi discutons en privé. Dis seulement que tu veux partir là-bas pour te défouler. Ça, c'est une très bonne idée. Merci pour ça. Je m'en vais. Ha! Oh non. Vous avez dit que c'est quelque chose de très important? Oui, Votre Majesté. C'est très important. Ça concerne les événements récents au palais. Il y a un adage qui dit c'est lui qui ne sait pas où la pluie tombe sur lui ne saura jamais quand cela va s'arrêter. Êtes-vous venu ici pour parler en proverbe? Vous savez bien dans ce royaume que j'aime qu'on me parle clairement sans aucune forme d'ambiguïté. Onyeze, Kadjetan et son fils sont en train de parler et pointant ainsi une certaine révélation qui leur a fait faire ce qu'ils ont fait. J'en suis arrivé à une conclusion selon laquelle il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a déjà la fumée. C'est à nous de découvrir le feu qui est derrière cette fumée. Oh non, croyez-vous vraiment ce que Kadjeta et son fils ont dit? Je ne peux pas dire que je suis en train de les croire. Mais il n'y a rien de mal si nous voulons découvrir la vérité derrière ce qu'ils ont dit. Oh non, je crois que c'est un plan que Kadjetan et son fils ont fait pour ridiculiser ma fille et ma maison. Sympa qu'il y a une révélation qui menace la vie de son fils.
comme ils l'ont dit. Mais si vous croyez qu'il y a quelque chose à ça, alors vous pouvez aller voir le voyant. Exactement, Votre Majesté. Il demeure la seule personne qui peut nous dire si c'est quoi le problème et nous donner la meilleure solution. Bien, je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire. Vous pouvez aller voir le voyant pour savoir pourquoi cet embarrassement à ma famille. Vous ne partez pas avec moi, Votre Majesté. Ah, oh non. Avez-vous oublié la réunion du Conseil des Rois demain? Oh. Ouais, oh. Je vois, j'ai aujourd'hui et je passerai 5 jours. Je crois que le royaume est entre vos mains. Bien sûr, Votre Majesté. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Votre Majesté, vous pouvez compter sur moi. D'accord. Je suis venu pour avoir une explication provenant de toi. Et je serai vraiment très contente si tu me le donnes vraiment maintenant. Pourquoi as-tu parlé à ta sœur de la sorte? Ne penses-tu pas que c'était vraiment très brutal? Je voulais juste mettre un terme à cette affaire. C'est une adulte. Qu'elle se comporte ainsi. C'est vrai, fils. C'est vrai. Mais il y a beaucoup à propos. Beaucoup, beaucoup sur cette colère. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, maman. Il n'y a rien à s'inquiéter. Comment ça, rien à s'inquiéter? Je serai toujours inquiète si tu ne me dis pas qu'est-ce qui se passe. Vous êtes mes enfants. Et je m'inquiète à propos de vous. Toi et ta sœur commencent à exagérer. Vous avez perdu les... Maman, s'il te plaît, c'est le passé. C'est ok. Je ne parlerai plus à propos. Fils, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai allé voir Odinaka aujourd'hui. Mm-hmm. C'est fou. C'est idiot. Tu dois savoir qu'Odinaka n'a pas honte. Après avoir déçu ma soeur bien-aimée et laissé sa vie en ruine, il a décidé de s'occuper de mon père. Mais parlant de sa révélation, selon laquelle mon père aurait été à la base de sa décision. Il a du culot, maman. Il est fou. C'est un vaurien, maman. Il ne mérite pas d'appartenir à cette famille royale. Au lieu qu'il soit un homme, d'affronter ses problèmes, il a préféré tourner la table et blâmer mon père. J'étais aussi en colère comme toi lorsque son père m'avait relaté ça. Mais ce n'est pas un problème. Je sais comment ça fait du mal à beaucoup de gens, spécialement ta sœur. Et je sais que c'est normal que tu agisses de la façon dont tu l'avais fait. Juste parce que tu t'inquiètes pour elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ta sœur va reprendre ses états. Tu sais, elle a un cœur très fragile. C'est ce qui me fait vraiment peur, hein? Tu t'inquiètes trop, maman. Ma sœur n'est pas folle au point de se donner la mort à cause d'un homme comme celui-là. Et donc c'est ça, mes chers anciens. Je veux dire, Igwe a spécifiquement demandé ce service. Et nous devons les lui rendre. Oui. Vraiment? Je ne comprends pas du tout. C'est pour ça que tu nous as invités dans ta maison?
pour nous en parler? N'est-ce pas le roi qui devrait lui-même résoudre ce problème? Pourquoi ne pas lui dire d'aller résoudre le problème lui-même? Qu'est-ce que tu dis, Ichie Ikemkulu? Ichie Koko, ce que je dis est très simple. Le problème dont nous parlons ici, c'est un problème du roi. C'est un problème familial, un problème personnel. Il est censé résoudre le problème lui-même. Maintenant, il a voyagé pour une réunion dont nous ne connaissons rien. Et il ne veut pas nous suivre pour aller voir le grand voyant. Je ne comprends pas. Tu as bien dit, Ichie Ikemkulu. C'est son problème familial. Mais rappelle-toi, une gifle sur un membre de la famille royale est une gifle pour le royaume entier. Oui. Ça dépend de la gifle. C'est aussi notre problème. Et nous devons le résoudre. Et que je me souvienne très bien. Le roi n'a pas approuvé cette réunion juste pour son bien. Mais plutôt pour le bien de la communauté. Et j'apprécierais vraiment que tu arrêtes ton comportement sarcastique et ton arrogance au sujet du roi. Excuse-moi? Oh non! Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je t'ai entendu juste? Donc, ta position légitime contrecarre le point de vue sur les affaires de ce royaume? Excuse-moi que je suis arrogant et méprisant? C'est ce que tu as dit? J'ai fait une déclaration claire et tu m'as bien entendu. Si tu ne veux pas y prendre part, tu peux juste faire comme bon te semble. Mais ne compte pas sur qui que ce soit pour te faire le compte-rendu de cela. Je m'incline, Votre Majesté. Vous avez fait appel à moi. Oui, j'ai été appelée. S'il te plaît, demande à la princesse si elle veut manger quoi aujourd'hui. Et tu vas le dire au cuisinier. Le cuisinier a déjà fini avec le repas. Je sais. Mais parce que ma fille est précieuse pour moi, j'aimerais que vous puissiez faire pour elle un plat spécial. Alors, va lui demander et tu vas informer le cuisinier. Entendu, ma reine. Merci. J'ai déjà préparé du jollof rice pour tout le monde. Et je suis sûre que la princesse va aimer ça. Pourquoi veux-tu que je prépare autre chose? Parce que je pressens que la princesse ne va pas apprécier ton jollof rice. Et pourquoi ne pas lui préparer une bonne pepper soup comme tu sais le faire? Est-ce elle qui t'a suggéré de me le demander? À vrai dire, c'est la reine qui m'a dit d'aller lui demander ce qu'elle voulait manger. Mais je ne l'ai pas fait parce que je sais que la princesse n'est pas stable en ce moment. Essaye de lui servir ce que je t'ai demandé. Seulement parce que je tiens à ce que la princesse puisse retrouver sa mine d'avant. Hein. Je le ferai. Mais la prochaine fois, quand on te demande de demander à la personne ce qu'elle veut manger, fais-le comme on te l'a instruit. Tu es chanceuse que ce soit moi qui sois au fourneau aujourd'hui. Parce que si c'était une autre personne, elle ne t'aurait pas écouté. Je me mets devant la reine. Vis éternellement. Uzodema, j'ai déjà perdu le sens d'accepter ces gens de salutation royale. Mais parce que ma fille se sent mieux maintenant, je ne peux que dire merci. Quoi? La princesse est ici? Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Sa Majesté, où est-elle? Je vais l'embrasser. Elle est dedans. Je crois qu'elle sera très contente avec ta compagnie. Bien sûr, oui, oui, Sa Majesté. Alors, dis-moi, c'était quoi le problème? Dis-moi, la fois passée, j'étais ici, tu agissais comme une enfant. Tu ne voulais pas être en contact avec qui que ce soit et quoi que ce soit. Et subitement, tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien ne s'est passé. Je suis juste contente. J'ai beaucoup manqué. Ces beaux sourires et les yeux doux de ma mère. J'aurais souhaité le vivre toutes ces semaines passées. Tu sais que tu es en train d'éviter intentionnellement ma question, n'est-ce pas? Raconte. Ah. La vérité? La vérité? Quelle vérité?
Je ne peux pas traîner avec un homme qui ne tient pas à moi et qui ne m'aime pas. Un homme qui ne comprend pas le vrai sens ou l'importance d'une femme ou une princesse. Tu sais, j'ai pris la décision de ne plus traîner sur tout ce qui me fait pleurer. J'ai assez pleuré, battu assez et j'ai assez appris. Et finalement, j'ai tout mis de côté. Eh bien, ça semble aller. Mais, es-tu sûr vraiment que tu as laissé tomber? Comme Ouzo, nous devons nous focaliser sur le futur. Le futur est plus meilleur que le présent. Personne ne sait ce que ça peut enfanter. Ça, c'est vrai. Ce qui m'étonne, c'est ce changement soudain. Es-tu sérieuse dans ce sens que tu as arrêté avec Odinaka? Genre, tu n'es plus intéressée à Odinaka. Ouzo, mon ami, j'ai déjà jeté l'éponge. Pouvons-nous parler d'autre chose, s'il te plaît? Les anciens d'ici Niato, je connais ce que vous cherchez. Vous avez des questions sur comment et pourquoi le mariage de la princesse a été annulé. Et vous cherchez à clarifier ce que Mazie Kazetan a dit. Les grands Sia, essaies-tu de dire qu'il y avait en effet une révélation? Juste telle que Kazetan vous a dit. Si Odinaka avait désobéi aux dieux pour continuer avec le mariage, il serait à ce jour compté parmi les morts de votre royaume. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'en réalité la princesse a fait qui a énervé les dieux pour qu'ils la punissent comme ça? Dois-je comprendre que c'est le moi que les hommes de Isonienato sont venus dans ma parcelle pour poser des questions aux dieux de leur terre? Non. Pas comme ça, le voyant. S'il te plaît, pardonne-lui. Je suis sûr qu'il ne voulait pas le dire dans un mauvais sens. Hein, vraiment. Pardonne ma façon de parler, grand sage. S'il te plaît, Obouchano, peux-tu nous dire si c'était quoi la révélation? Où est le roi? Il est censé être ici avec vous. Il est parti dans une réunion cruciale de amnésie. Il sera de retour dans 5 jours. Il est parti dans une réunion. Un homme dont la maison est en feu peut-il partir à la chasse? Je vois le feu qui va bientôt les consumer. Oh, s'il te plaît, Obo Uchangolo, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Il savait qu'il ne pouvait pas venir, c'est pourquoi il m'a envoyé moi et tous ses anciens. Je suis sûr qu'il sera heureux si tu peux nous dire si c'est quoi la révélation et pourquoi ça devrait empêcher le mariage de la princesse. Oba, il écoute un boulot. C'est très clair. Le grand homme de Onugoku, nous le voyons que vous êtes en colère et vous n'êtes pas content. S'il vous plaît, si nous vous avons offensé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous sommes là pour cette information. Vous avez bien commencé lorsque nous étions debout. Mais je suis surpris que maintenant, nous sommes assis et vous ne parlez plus. S'il vous plaît, donnez-nous cette information. Nous en avons besoin. Je ne dirai rien du tout à cette délégation. Rentrez chez vous et emmenez-moi le roi. Souffrances et larmes ont élu domicile à son domaine. Il doit venir vers moi pour que je résolve le problème. S'il vous plaît, rentrez chez vous et dites-lui exactement ce que je dis. Vous voyez,
Je l'avais dit. N'est-ce pas? Je nous ai dit, il n'est pas profitable pour nous de venir ici sans le roi en premier lieu. Maintenant, ma raison vous est claire. N'est-ce pas? Itché Kemkoro, tu as déjà donné ton avis et sans ça rien d'en rajouter. Ono, je connais ce Sia très bien. Je pense qu'il veut nous dire quelque chose de très grave. Itché Koku, tu ne fais que supposer. Tu spécules. Oboko Tangolo, celui qu'elle a appelé le voyant, que nous venons de voir, il n'a rien dit. Et bien sûr, il n'a dit aucune chose. Et sans mâcher les mots, venir ici est un voyage inutile. Ça n'a pas été une peine perdue. Itché Kemkoro, pour une seule fois dans ta vie, aie du respect pour le roi. Regardez-moi. C'est aussi clair aux yeux de tous. Il est déjà roi et tu ne peux pas le rabaisser. Oh non, personne ne parle de démettre qui que ce soit. Je parle de la vérité. Nous sommes les membres du cabinet, nous devons identifier la vérité et la défendre toujours. Écoutez, le roi nous a sous-estimés en tant que membres du conseil. Pas seulement nous, mais il a pratiquement sous-estimé tout le monde à Osieniato en refusant de venir avec nous. C'est la vérité, Ono. Tu peux décider de croire ou de ne pas croire. Les idiots! Les incompétents fous! Comment pouvez-vous être ici et laisser ma fille sortir de ce palais sans pour autant informer? Pourquoi si je vous paye? Non, dites-moi! Pourquoi travaillez-vous ici? Pourquoi est-ce que je vous paye? Mère, qu'y a-t-il? Ce n'est pas ces idiots! Ils étaient ici et ta sœur est sortie de ce palais! Les fous! Les idiots! Maman, s'il te plaît, calme-toi. Que je me calme? Comment est-ce possible? Comment est-ce que ma fille peut se perdre et que je sois calme? Sapro, tu étais censé garder un œil sur la princesse. Alors comment est-ce possible que tu ne sais pas où elle est? Elle seule sait où elle est partie. Mais hey! Elle est quand même partie avec un chauffeur. C'est ça la réponse à la question? Elle est sortie avec le chauffeur. Est-ce ça la réponse à ma question? Cette réponse me dit où se trouve ma fille, c'est ça? Maman, s'il te plaît, tu dois te calmer, ta princesse va bien. Comment sais-tu? C'est le genre de personne qui a les émotions pour un drame. Bien, elle agit comme une personne qui se sent très bien. Mais nous savons tous qu'elle ne se sent pas bien. Et si elle faisait quelque chose de stupide? Elle ne fera pas une telle chose, maman. Tu fais comme si tu ne connaissais pas ta propre fille. Maman, elle va bien, je peux te rassurer. Est-ce que tu vas vraiment bien? Écoute, je sais qu'on te le répète à longueur de journée. Mais n'oublie pas que moi, je te connais depuis que nous sommes gamines. T'es seulement en train de te forcer à paraître comme ça. Tu t'efforces à être heureuse pour plaire à tout le monde. Je ne peux plus continuer de pleurer à cause de lui. Exactement. Et il n'est même pas là pour voir tes larmes couler. C'est ça même que je réalisais. Je me réjouis que tu commences à changer d'avis là-dessus. Mais n'exige pas non plus trop de toi-même. Ça pourrait se retourner contre toi. Oui, tout chez toi laisse croire que tu es passé à autre chose. Mais ta voix et tes yeux sont les seules choses qui ne font que te trahir. Tu sais, ici ça va que tu admettes que tu es blessé. Oui, parce que c'est vraiment toi qui souffres ici. Et moi je serais vraiment stupide si je devais te forcer parce que je sais que tu es amoureuse de lui. Il y a plus de joie au palais maintenant que nous sommes en train de parler. En agissant de cette façon, rapporte la joie perdue. Oh ma chérie,
lentement, mais sûrement, tu pourras aller de l'avant. Ok? Il ne rappelle même pas mes appels manqués. Ça va aller. Je te conseillerais de ne plus carrément l'appeler. Écoute-moi, princesse. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il perd. Alors, essaye juste d'arrêter de t'inquiéter à cause de lui. Ok? Pourquoi tu aimes toujours m'emmener à cet endroit? Je veux dire, il n'y a pas du monde et c'est trop calme pour ma préférence. Tu as répondu déjà à cette question toi-même. J'aime cet endroit à cause de ses statuts solitaires et calmes. Comme des directeurs généraux, des endroits pareils sont bien pour des discussions raisonnables. Bien, je ne l'apprécie pas. J'aime les bars où il y a du monde. Bonjour, le monsieur. Bien. Je souhaite vous informer que votre addition est prise en charge. A été réglé? Par qui? Ce n'est pas moi. Je ne me suis même pas promené avec mon portefeuille. Oui, c'est une fille qui était assise derrière dans la place VIP. Elle vient juste de partir. Comme nous sommes juste deux ici, je pense que c'est à vous que je m'adresse. Oh, ok, et alors? Désolé de vous déranger, c'est que je n'aime pas les faveurs, principalement si je ne connais pas la raison. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'aime pas que les filles règlent mes additions. Je veux dire, aider c'est bien, mais pas comme ça des femmes. Ne vous sentez pas offensé. Je suis pas d'accord. Alors dis-moi, Odinaka, c'est ça ta spécialité? Faire des cadeaux aux autres mais refuser d'en recevoir deux? Vous venez de mentionner mon nom. Vous me connaissez de quelque part? Dois-je considérer cela comme une agréable surprise? Alors eh bien, ça au moins serait un point positif au lieu de te régler la note. À la prochaine, Odinaka. Je vais tout simplement... Vous me connaissez de quelque part? Qui diable est-elle? Une admiratrice secrète, je crois. Comme si elle me connaissait de quelque part. Tous les admirateurs secrets savent les noms de leurs préférés. Ou peut-être que tu l'as aussi déçu. Mais où est-ce que tu vas encore? Je rentre là-bas pour régler mes factures. Je n'aime pas les femmes qui se voient être les tout-puissantes. Oh tiens donc, elle a payé pour toi et quoi alors? 60 000 naira, c'est beaucoup d'argent. Tiens donc, allons-nous-en. Allons-nous-en. Bien, Dieu. Ma princesse. Comment tu vas? Je vais bien. Honnêtement, vous avez bien meilleure mine qu'avant. C'est vrai? Oui, sincèrement. C'est bon de savoir. Je peux voir que tu viens du marché. Oui, j'étais allée acheter quelques denrées. Ok.
Entre. Entre, je vais te raccompagner à la maison. Oh, non, non, non. Non, merci, ma princesse. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça veut dire quoi, ce n'est pas une bonne idée? Oh. Oh, oh, oh. J'ai compris maintenant. Mais toi et moi, ou n'importe qui de ta famille, nous n'allons pas vivre des animosités juste à cause de ce qui s'est passé. Je ne reste pas focalisée sur mon échec. Je ne suis pas le genre de fille qui tient au cou tous ceux qui les ont fait du mal lorsqu'elles ont eu besoin d'eux. Ok? Alors, entre. Ok, ma princesse, si vous le dites. Ma princesse, je pense que c'est peut-être un peu tard, mais je tenais à m'excuser pour le comportement de mon frère. Il vous a blessé, je sais. Et je sais aussi que vous avez traversé une période sombre et que c'est quelque chose qui vous a vraiment vidé. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez, du plus profond de votre cœur, s'il vous plaît, pardonnez mon frère. Je suis toujours en train de chercher comment me remettre par rapport à ces sujets. Je sais, mais ma princesse, si j'étais en mesure de remonter le temps, j'aurais voulu retourner à la maison pour vous trouver, vous, en tant que maîtresse du foyer. Normalement, cela me pousserait à me sentir mieux, mais tu tournes le couteau dans la plaie. Non, ma princesse, s'il vous plaît, ce n'était pas mon intention, pardonnez-moi. Désolée. J'ai été blessée et j'ai encore sur moi cette blessure. Et je dois t'avouer que j'ai déjà oublié complètement ton frère. En fait, c'est un fragment de ma vie et que je ne saurais pas m'en débarrasser aussi facilement. Probablement pas peut-être dans ces temps-ci. À part le fait que je sois une princesse, je suis une femme. Ton frère devait considérer mes sentiments comme une femme et en faire. Il aurait dû au moins présenter ne fût-ce que ses excuses, peu importe où stupide qu'il soit. Ok, bien. Et tu lui diras que je ne compte plus sur lui encore. J'ai juré par moi-même que je ne l'appellerai plus jamais encore. J'ai fini par résigner à mon destin. Mais ça, ce n'est pas votre destin. Même les ancêtres ont dit la même chose. Alors, que penses-tu? Tu peux partir, chérie. S'il vous plaît, ma princesse, entrez même un peu, juste pour boire de l'eau. Je ne suis plus la bienvenue chez vous. Non, ma princesse, allez, s'il vous plaît, ça reste votre maison. Ça aurait été ma maison. Tu peux partir maintenant.
princesse. Mère. Princesse. Mère, je suis revenue. Oh, je pensais avoir un mauvais rêve. Ça, c'est certain. C'est normal que tu fasses un mauvais rêve parce que tu es tellement crispée. Où étais-tu partie? J'ai demandé à tout le monde. Ces stupides servants n'ont même pas pu me donner une bonne réponse. Ah, mère. Oh, je me suis sentie malade et inquiète pour toi. Mère, tu ne devais pas t'inquiéter pour moi. Voyez, je suis restée pendant longtemps dans cette zone de confort du palais. Alors je devais sortir un peu. Tu devais m'informer. Oui, t'as raison. Je suis désolée. As-tu mangé? Laisse-moi alors. Non, non, maman, relax. Anna et moi avons déjà pris le déjeuner. Ok. Bien, je te laisse te reposer. Ou encore, tu peux aller dans ta chambre. Te reposer sans dérangement. Je suis maintenant contente de t'avoir vue. Alors, dis-moi. Ton frère m'avait dit qu'il devait avoir une sortie. Ah, mère. Dis-moi, est-il à la maison? Tu demandes comme si tu ne connaissais pas ton fils. Je crois qu'il devait être avec toi maintenant. Mm-hmm. Je me suis réveillée, je ne t'ai pas vue à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi tu t'es réveillée à 7h de la nuit? Ça n'a rien à voir avec toi, Ekoutassé. C'est juste une petite et simple réflexion comme au nom de ce royaume. Qu'est-ce qui te dérange, mon amour? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je réfléchis en tant que Nohu. Du royaume. Le premier ministre traditionnel de ce royaume. Et tu sais ce que ça implique. Nai, si je ne te connaissais pas bien, j'allais te dire que nous puissions rentrer dormir sur le lit. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du mariage de Ozoma qui arrive bientôt? Non, je ne m'inquiète pas de ça. À moins qu'il y ait quelque chose dont tu aimerais que je m'inquiète. Non. Alors dis-le-moi. En tout cas, tout est vraiment au contrôle. Nanye, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive juste pas à comprendre pourquoi le grand homme de Enugoku insiste que le roi soit présent avant qu'il nous dise ce qu'il se passe. Je crois que c'était un truc important. Donc tu n'arrives pas à dormir à cause du roi? Cela ne semble pas important, selon toi, n'est-ce pas? Un mariage royal a été annulé dans ce royaume. Pendant mon règne, comme Onohu, le premier ministre traditionnel de ce royaume. Et tu penses que c'est une blague? Je suis très contente. Tu sais que tu n'es qu'un premier ministre traditionnel. Hein? La façon dont tu t'inquiètes pour ce royaume, c'est comme si la couronne est aussi dans ton sang. Tu t'inquiètes beaucoup sur ces royaumes au lieu de t'inquiéter de ta famille. Même le roi, où sa fille a été déçue, a déjà retrouvé ses forces. Pendant que mon mari n'arrive même pas à dormir. C'est quel genre de façon de réfléchir comme ça? Viens-tu juste d'insinuer que je ne m'inquiète pas de ma famille? Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as fait beaucoup plus que pour ta famille. Maintenant, Nai, comme tu t'inquiètes beaucoup pour ce royaume, pourquoi ne pas devenir roi? Les dieux ont choisi celui qui est sur le trône. Je ne suis pas le roi. Parce que je n'étais pas choisi. Waouh! N'est-ce pas que c'est amusant? Que le dieu ait choisi un homme
qu'il ne s'inquiète pas pour le royaume. Pour que mon mari s'inquiète tous les jours pour ce royaume. As-tu fait un mauvais rêve? C'est tellement clair que tu l'as fait. C'est pourquoi tu cherches quelqu'un avec qui te quereller. Je ne suis pas disponible, s'il te plaît. Non, Naï. Ce n'est pas ça. Je m'inquiète juste pour toi. Et ça me fait mal de voir un roi qui ne s'inquiète même pas pour ce royaume. Hein? Qui peut accepter que son mari ne soit pas endormi à cette heure? Soyons honnêtes. Il s'inquiète pour le roi, pas comme étant père. Écoute, Assi, cette discussion est terminée. Va et dors. Je ne bougerai pas d'ici sans toi. T'ai-je dit que je suis perdu? Je suis dans ma maison et je peux en fait décider de dormir ici. Hein, alors nous allons dormir ici ensemble. Écoute, Assi. Naï, je ne bouge pas d'ici sans toi, oh. Hein? Regarde l'heure, il est déjà matin. Mais tu es toujours ici, hein? Que penses-tu que le roi va faire pour moi si seulement moi j'étais père? Si ce n'est pas me laisser souffrir dans ce royaume. Naï, écoute, oh, tu dois aller avec moi, oh. On devait aller dormir ensemble dans la chambre. Ok, allons-y alors. Allons-y. Allons dormir. Votre père m'a appelé pour m'informer qu'il rentre aujourd'hui. Il m'a appelé aussi. Il était tellement content de savoir que j'étais en train de prendre mon déjeuner. Il n'est pas le seul. C'est tout le monde dans ces palais qui est vraiment très très content pour ça, ma fille. Heureusement que je puisse surmonter ces problèmes de ma vie. Je te présente toute ma gratitude. Et que Dieu te bénisse abondamment, maman. À Dieu soit rendue toute la gloire. Après plusieurs délibérations, je suis content de vous annoncer que Trace Oil et Gaz, la grande compagnie multinationale, va avoir sa base dans notre communauté. Oh, oh. Ça, c'est bien. Wow, c'est une bonne nouvelle. J'ai cette ferme conviction que ce développement stimulera beaucoup d'emplois pour notre peuple dans notre royaume. C'est vrai, oui. Bien, je pense qu'il est bon de donner l'honneur à qui de droit. Donnons à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi de prendre l'honneur. Mon fils ici a rendu cela possible. Donc vous les aînés devriez plutôt remercier mon fils. Merci beaucoup, notre prince. Merci, prince. Bien, ce qui est plus important, nous avons reçu notre propre action des fonds de développement de la Banque mondiale. Le gouvernement étatique nous a approuvé un hôpital. Mais nous pouvons décider de faire quelque chose d'autre si nous le désirons. Aussi longtemps que l'argent octroyé doit être utilisé pour le développement. Donc dans cette réunion, nous allons décider ce que nous allons faire. Fantastique! Ça c'est merveilleux comme nouvelle, Majesté. Ah, c'est une bonne nouvelle réellement. Maintenant, pour vous qui vous posiez la question de savoir ce que j'allais toujours faire dans ces réunions, en voilà les retombées. Oh niaisé. Les crédibles membres de ce conseil savent l'importance de participer à une réunion gouvernementale. Et nous sommes très contents avec les comptes rendus que vous nous avez toujours faits. Oh non, tes mots m'encouragent. Maintenant, comment va le royaume? Oh, assez bien. Très bien jusque-là. Pas de mauvaises nouvelles en tout cas. Ah oui, exactement. Parlant du royaume, comment était votre visite à Oba Opo Changolo?
Ndiche, mon père vient de poser une question qui mérite une réponse. Mm-hmm. Pourquoi êtes-vous tous silencieux? Onou, je crois que vous pouvez me parler. Lorsque je partais pour la réunion, je vous ai spécialement mis en charge. Alors, parlez-moi. Vas-y. Bien, Majesté. Nous en sommes arrivés au milieu. Pas bon. Pas tellement bon et pas mal du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre Majesté, tel que vous l'avez instruit, nous avons rendu visite à Obakochego avec les autres anciens. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-il vrai qu'il y avait une révélation? Oui, Onyeze. Il y avait une révélation. Et c'est vrai que le jeune homme ne s'est pas montré car sa vie était menacée. Je vois. Alors, est-ce qu'il a narré la révélation et sa signification? J'ai bien peur, Votre Majesté. Cette information, nous n'avons pas pu la soutirer car le voyant ne nous a rien dit. Pourquoi? Il a clairement dit que vous devez être présent avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Je peux pas croire ça. Est-ce qu'il vous a dit ça? Votre Majesté, nous les anciens, nous étions confus. Il a été catégorique, disant que vous devez être présent avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Tu vois, Ichekenkulu, Igwe n'est pas si mauvais comme tu le penses. Il a toujours voulu le bien de notre royaume. Il s'est battu pour l'évolution de ce royaume. S'il n'était pas là, qui sait? Peut-être qu'on ne serait pas là en train de... Écoute-moi, Ichedeji. Je comprends tout ce que tu es en train de dire. Mais ça ne va pas changer mon impression sur lui de l'homme là. Il n'est pas ce que tu penses qu'il est. Qui est-il alors? Qui est-il si pas le roi de ce royaume? C'est très clair que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Et si je continue pas à expliquer, tu peux ne jamais comprendre. Tu as raison, Ichekenkulu, je ne comprends pas. Parce que tu es le seul qui pourra comprendre ce que tu reproches au roi. Ichekenkulu, qu'est-ce que le roi t'a fait? Écoute-moi, je pense que la faveur que nous pouvons nous faire maintenant est que chacun rentre chez soi. Parce que c'est mieux. Tu ne vas jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas. Et si je me tiens ici continuant de te l'expliquer, tu ne vas jamais comprendre. Je ne vais donc pas. Séparons-nous. Ah oui. Au revoir. Va-t'en. S'il te plaît. Oju. Oju-moi. Maman, tu m'as fait peur. Depuis quand tu commences à avoir peur dans la maison de ton père? J'ai l'air d'un fantôme. Maman, je t'en prie. Oju-moi. De l'eau a commencé à bouillir. Je ne sais pas moi depuis quand. Et tu n'as pas encore fini d'apprêter des haricots. Que penses-tu? Oh, peut-être que ton père a commencé à travailler dans une grande compagnie. Ou l'argent que tes frères nous envoient, qui vient des monétaires. Hein? Dépêche-toi! Mais maman, c'est ce que je suis en train de faire. T'es contente maintenant? Non! C'est pas ce que je fais! Et voilà ce que tu es en train de faire. C'est aussi clair que cet haricot ne sera pas prêt. Pour l'instant. Maman, s'il te plaît, va faire un tour chez tes amis. Quand ça sera prêt, moi-même je vais t'appeler. Juste rassure-toi que la nourriture soit prête avant que ton père n'arrive. Oju, qu'est-ce qui ne te va pas? Est-ce qu'on peut parler entre nous comme des femmes?
Non, maman, je te l'ai déjà dit que ça n'arriverait pas tant que je ne me serais pas mariée. Ok, laisse-moi te croire. Je crois qu'il est grand temps que j'aille voir mon frère. Il doit sérieusement présenter ses excuses à cette femme. Que s'est-il passé? J'en sais rien. Ça s'est arrêté brusquement et je n'arrive plus à la redémarrer. Mais c'est toi ou bien je rêve? Que veux-tu dire? Il y a quelque temps, tu as réglé mon addition. Et te voilà, bloqué sur la voie qui mène vers ma maison. Tu vis dans les parages? Oui, juste sur la rue d'à côté. Alors, c'est ici? Oui, c'est ici. Waouh, c'est un magnifique quartier. Merci, merci encore pour m'avoir accompagné à la maison. Ça va. Alors, je pense que c'est le moment pour moi de connaître ton nom. Non, si je te donne mon nom, c'est qu'on ne voudra plus parler au téléphone, n'est-ce pas? Mais quand même, retiens que je suis de Isonyato. Waouh. Je veux dire, ça c'est fantastique. Au moins, je suis ravi de savoir que la personne avec qui j'ai affaire ici est de même localité que moi. Dis-moi, où sommes-nous rencontrés? Je ne te donnerai pas ce plaisir de découvrir aussi facilement. Va falloir que tu cherches encore plus. Mais ça c'est tout un exercice. Et tu as intérêt à très bien t'appliquer. Onyaka, bonne nuit. Bonne nuit. S'il te plaît, pourquoi pas un déjeuner? Est-ce que tu es en train de me filer un rencard? Pas vraiment. Disons que je vais te rembourser. Mais toi, tu détestes les faveurs, n'est-ce pas? Pas comme ça. Juste que je n'aime pas avoir de dette envers quelqu'un. Très bien. Volontiers. Où dois-je venir te chercher? À la même place. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Demain alors. Ne me dis pas que tu es amoureux de cet endroit. Là où je vis est plus petit qu'ici. Oh mec, tu vis dans une bonne baraque. Où est-ce que ça te dérange que je vienne ici? Pas vraiment. Alors depuis quand tu es ici? Je suis venu il y a de cela 4 heures. Mec, j'ai eu à m'enfuir. Je pense qu'elle a utilisé quelque chose de mortel. Plus que ça, mec. Cette fille est waouh. Elle est folle. Mec, je n'ai pas pu me contenir. J'ai juste pris fuite. Oui, parce que tu es trop désespéré avec les femmes. Je t'ai parlé maintes fois.
Fais le choix sur une et reste avec elle. C'est pourquoi j'ai les yeux braqués juste sur une seule femme. Ne va même pas là. Ma sœur est une zone interdite. Une zone interdite. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Tu ne sais pas. Ce que je veux dire est ceci. Oju est trop, trop bonne pour être avec toi. Je suis aussi bien pour elle. Non, Uche, tu ne l'es pas. Tu es un Casanova qui court derrière toute poitrine. Tu ne l'es pas. La même chose que toi. Attends, tu n'as pas un mot à dire là-dessus avant que je ne l'approche. Alors si elle me rejette, tu pourras donc dire ce que tu veux. Ne dépasse pas cette limite. Uche, ne dépasse pas cette limite. Comme je l'ai dit, reste très loin. Et ne dis rien, ma sœur. Je t'ai écouté, mec. De toute façon, d'où viens-tu à cette heure de la nuit? Bien, j'ai rencontré la fille de l'autre fois. Et je l'ai emmenée chez elle. Waouh! Elle est venue ici? Non, pas vraiment. Je l'ai approchée d'une manière à une autre. Et je suis allé la déposer parce que sa voiture était en panne. Nous avons un rendez-vous pour le déjeuner. Waouh! C'est maintenant que tu oublies la princesse et que tu bouges. Uche, je suis vraiment épuisé et je dois dormir. Et tu dois faire la même chose. Il est tard. Vas-tu me forcer à dormir? Bonne nuit. Votre Majesté, tu désirais nous voir? As-tu finalement décidé? As-tu vu l'homme? Ouais, j'ai vraiment pensé à ça. La nuit dernière n'était pas le premier moment où j'y ai réfléchi. En fait, considérant les conditions actuelles de mes enfants, je n'arrive pas à dormir et ça me fait verser des larmes. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous deux. Mon fils, tes douleurs, je les sens aussi. Perdant beaucoup de bébés dû aux fausses couches. Et finalement, ta femme t'a quitté. C'était pénible. Très pénible. En fait, extrêmement pénible. Je n'ai pu rien faire à ce sujet. Et puis, toi, ma princesse, jusqu'à les cieux, était sur le point de sourire sur toi. Juste quelques minutes à la célébration de ton mariage, la tristesse couvrit ton ciel. Et je ne cesse de me poser des questions. Pourquoi ma famille? Pourquoi mes enfants? Y a-t-il quelqu'un quelque part qui veut détruire mes enfants? Diverses réponses passent par ma tête. Et à la solution, je ne faisais que penser. Et j'ai finalement tiré la conclusion. Et j'ai décidé que vous deux, Ifedima et Hana, quitterez le pays. Mais comment est-ce que c'est la solution sur tout ce qui se passe? C'est une solution proférée par des docteurs professionnels. Les deux en ont besoin. Un changement d'environnement. Et dès que les papiers sont prêts, vous quitterez vous deux. Sauf votre respect, père, j'irai nulle part. Ah, Hannah. Père. N'êtes-vous pas censé être notre père? Je le suis. Et c'est pourquoi je fais ça. Mais vous ne faites pas ce qui est juste. Pensez-vous que ce qui est arrivé à ma sœur et moi est ordinaire? Il y a un mystère derrière ça. N'êtes-vous pas censé le savoir étant roi?
Vous devriez rencontrer le grand sage d'Enugugu pour trouver une solution à ceci. Mais vous m'avez surpris. Vous pensez m'envoyer moi et ma sœur en dehors du pays? C'est là la solution selon vous? J'ai une femme qui m'a quitté. Je dois reprendre cette femme dans ma vie. La femme là t'a quitté, un point c'est tout. Tu es un prince. Et tu ne dois pas te lamenter à cause d'une femme. Vraiment? Vous voulez que j'abandonne ma femme juste comme ça? Pourquoi ne pas aller rencontrer ces sages? Ah non, je ne vais rencontrer aucun grand homme de Enufuku pour une raison quelconque. J'ai décidé de ce que je vais faire avec mes enfants. Quand tu finalement auras tes enfants, tu peux décider comme tu veux. Malheureusement, je ne suis plus cet enfant-là que quiconque peut contrôler l'avenir. Je suis un homme connu. Financièrement et politiquement, je suis connu dans tous les coins de ce pays. Ma vie est ici. J'ai une femme avec qui me réconcilier et au-delà de tout, j'ai des affaires à gérer. Nous pouvons toujours louer des directeurs compétents qui s'occuperont du bien-être de cette compagnie. Je ne laisserai pas la gestion de mon entreprise entre les mains d'un autre. Je resterai ici et ferai face à mes problèmes. Ma sœur n'a rien dit concernant tout ce que vous avez décidé, donc elle est d'accord avec tout ce que vous avez dit. Préparez ces documents. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ah, Anna, c'est pour votre bien-être. Pourquoi vous nous encouragez de fuir père? Pourquoi ne pas aller à la rencontre de ces grands hommes de Enugugu? C'est lui la bouche autorisée de nos dieux et nos ancêtres. Y a-t-il pas quelque chose que vous souhaitez nous cacher? Quelque chose comme quoi? Quelque chose comme ce que vous avez fait dans le passé, qui a énervé les ancêtres. Ne serez-vous pas à la base de ce mariage raté entre ma sœur et Odinaka? Père, est-ce quelque chose du genre? Excusez-moi. Anna, de quoi es-tu en train de parler? Ce sont les mots qu'il m'avait dit lorsque je l'avais rencontré. Il avait dit qu'il ne cesse de voir un homme dans ses rêves, l'interdisant de t'épouser. Cet homme avait menacé sa vie, voilà pourquoi il avait pris cette décision. Je n'avais pas pris au sérieux ce qu'il disait. Mais voyant la façon dont mon père est contre l'idée d'aller rencontrer cet homme sage d'Inugugu, me fait croire qu'il y a quelque chose qu'Odinaka a vu. Copine. Allez, ça veut dire quoi, c'est calme? Il est quelle heure? Je suis désolée, tu sais que je n'ai pas une voiture, non? J'ai pris le transport. Je suis désolée. Je suis désolée, non? Salut, les filles. Salut, bonjour. J'espère que je ne suis pas en retard. Oh non, t'es juste à temps. Sotima? Oui. Voici mon ami Odinaka. Odinaka, mon ami Sotima. Enchanté. Plaisir partagé. Tu es tellement classe. Ouah, très intéressant. Ma copine. Oui? Il va falloir que tu me couvres pour la réunion parce que, comme tu peux le voir, j'ai un rencard avec ce bel homme. Ok, ok, y a pas de problème, je comprends. N'oublie pas d'aller voir l'ami avec qui je t'ai fait rencontrer. Je pense que ça serait une bonne chose si tu le fais. Je le ferai. Ok, ça va? Prends bien soin de toi. Ok. Bye. Quoi? Et son petit? C'est rapide, mais c'est correct. Et c'est mon nom.
et tu es dans le secteur de la mode. Et ça aussi, c'est tout juste. Dis-moi, qu'est-ce que tu as bu qui a ravivé ta mémoire? Oh mon Dieu! Je me souviens de toi. Tu travailles au palais? Longue histoire. Commençons par commander avant d'attaquer le vif du sujet. Alors, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Je voulais que tu puisses te rappeler tout seul. Au moins, un petit rappel serait le bienvenu. Alors dis-moi, comment vont les affaires dans lesquelles tu t'es mise? Excellent. Tu devrais passer voir de toi-même. C'est fantastique. Vraiment? Branche? Et c'est la quatrième. Ton argent n'a pas été gaspillé. Bien. Je suis heureux que tu en aies fait bon usage. Comme tu viens de le dire, quand on fait ce qu'on aime, ça se fait voir. Mais sérieusement, je trouve ça un peu difficile de croire que c'est la même peureuse somme que j'ai connue. Je veux dire que tu as vraiment changé. Merci à toi pour les 2 millions de naira que tu m'as donné et merci au gars qui m'a introduit dans ce business pour la première fois. Il m'a aidé à me réveiller. Je ne suis pas surpris de ce que tu viens de dire parce que les anarcheurs sont partout. Mais sérieusement, je suis étonné que le temps passe si vite. Pendant qu'on y est, alors, comment va la princesse? Vous sortez toujours ensemble? Ok, je peux comprendre ça. Ça arrive dans les histoires de couple. Mais si tu veux mon avis, j'aurais jamais imaginé que tu rompes avec elle. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous deux vous disputiez toutes les 2 minutes. Je me souviens de votre dernière engueulade. Tu avais dit, je vais plus revenir. Et 2 jours après, vous étiez de nouveau ensemble. Et la princesse avant ça, elle était toute misérable. Bien. Pas étonnant que tu aies réussi dans ta vie. Je veux dire, tu es très intelligente. C'est comme comment Ogezo, Joe Gezo l'a dit dans l'une de ses chansons. Un homme intelligent réussit toujours. Je suis flattée. Jusqu'à quand vas-tu continuer à être comme ça? Jusqu'à quand vas-tu continuer à vivre dans la solitude? Je crois qu'on était en train de parler du changement d'environnement. Maman? C'est à cause de ça que tu t'es mis dans ces états? C'est ça, maman. Oui, je pense bien que cela ne devait plus me faire mal. Est-ce que cela est supposé me faire oublier que le bonheur de ma vie est passé à côté? Est-ce que cela est supposé me faire oublier que je l'aime? Ma princesse. Maman, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux, maman. J'essaye de comprendre, maman, ce que ma vie devient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens seule et vide. Je sens tout, mais je ne suis pas heureuse. Tu sais pourquoi, maman? C'est parce que le bonheur m'a quittée. Toutes choses, tout semble arriver à sa fin. Non, ma chérie. Tout n'a pas pris fin. Il y a toujours un moyen pour s'en sortir. J'ai continué de lutter pour le trouver. Mère, Odina Kali était pour moi. L'amour qui nous liait était vrai et fort.
Je ne sais ce qui s'est passé réellement. Il a brisé. Je n'ai jamais compris ce qui était le problème, mais tout est arrêté. Pourquoi? Pourquoi cela est arrivé, maman? Pourquoi? Quel est ce crime que j'ai commis pour que le Dieu me punisse de cette façon? Pourquoi? Ça suffit, maman, ma chérie. Maman, pourquoi? Pourquoi, maman? Ça suffit. Oh. Ma chérie. Je l'aime, maman. Je l'aime. Je l'aime. Arrête. L'amour de ma vie. Je l'aime. Arrête de pleurer. Je l'aime beaucoup. Je l'aime, maman. C'est bon. Je l'aime. Ça suffit. Ça suffit. Maman. Où est ma soeur? Le docteur est en train de s'occuper d'elle. Il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien. Assieds-toi. Docteur. Elle va bien? Comment va-t-elle? Votre Majesté, calmez-vous. Elle est bien. Ça va aller. Oh. Je dois la voir. Non. Elle a besoin de se reposer. Je sais quoi faire. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Elle souffre de... DCM. DCM? DCM? Ses nerfs ont lâché. Et quoi? Et quoi? Elle est quoi? Elle était tellement stressée. Et elle est vraiment dépressée. Dites-moi, savez-vous si elle avait pris... un antidépresseur? Un antidépresseur? Antidépresseur. Je connais rien à propos. Est-ce qu'elle va se sentir mieux? Certainement, ça ira à votre majesté. Mais okay. Elle a besoin de beaucoup de repos. Je la recommande un repos de 2 semaines. Elle ne doit pas faire des travaux durs. Elle doit éviter de beaucoup penser ou encore de faire des sorties. Mais docteur, elle est supposée voyager hors du pays la semaine prochaine. Ma patiente ne doit pas encore faire un quelconque déplacement ou voyager à l'extérieur du pays. Elle doit rester sous contrôle et suivre son traitement pendant 2 semaines. Peut-être qu'elle aura plus jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Ah, docteur, vous, pas professionnalisme, devriez savoir qu'elle aurait besoin d'un changement d'environnement à cause de ce qu'elle a traversé. Votre Majesté, je sais comment le traumatisme émotionnel fait. Mais avec sa condition, elle n'a pas besoin de faire de voyages longs. Maintenant, croyez-moi, je crois que je peux rentrer dans mon travail. D'accord. Une fille est venue me chercher et tu l'as laissée demander? Quel est ce genre d'arrangement? Calme-toi, Odinaka. Ce n'est pas ce que tu penses. Arrête ce bavardage. Tu sais que je ne suis pas content avec ça. En fait, qui est la fille en question? Quelqu'un de votre village. Quelqu'un que tu connais. Pourquoi ne pas monter pour la rencontrer? Uche, je ne suis pas du tout content. Oh, Ozodou, c'est toi? Hé, hey, beauté! Oh, désolé, je devais te faire bisous à la zoo. Je suis désolée. Ça va. Alors, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Je suis désolée de te surprendre. Je suis venue sans pour autant t'informer, mais... bon, considère juste le fait que je suis déjà là. Ok. Quel genre de choses? Ah,
J'étais allée voir un ami et puis à mon retour, je... Chemin faisant, tu mets à Paris en tête, je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Et c'est comme ça que j'ai pensé à toi directement. C'est pourquoi je suis venue. La maison de ta sœur n'est pas loin d'ici. Elle est même plus proche de la route que ma maison. Oh, s'il te plaît. Et je ne voulais pas la déranger. Et tu sais le comportement de son mari, non? Et pour moi, je me disais que ce n'était pas intéressant de la déranger vu qu'elle est enceinte, tu vois. Et ton ami m'a laissé entrer en me disant que ce n'était pas un problème. Et c'est pourquoi je me retrouve ici. Mais ce n'est pas un problème, ça me dérange. Si tu veux que je parte, je vais partir. Non. Ça va, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, donc ça veut dire que je peux rester? Bien sûr. Oh, merci. Alors, que vas-tu manger, je veux dire? La cuisine est en bas ou tu préfères qu'on sorte pour... Oh, non, j'ai déjà perdu mon appétit. D'accord. Laisse-moi te montrer ta chambre. Ok, merci. Comme ça, je récupère mes bagages. Je n'arrive pas à croire que je perdais lentement ma fille sous mon toit. Quand elle commençait pas à utiliser l'antidépresseur? Comment est-ce qu'elle pouvait connaître ces genres de médicaments dangereux? Tout est si confus. Je pensais qu'elle s'était remise de ce vaurien. Bien sûr. Elle l'aime toujours. Je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours attachée à lui. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant est que... Est-ce qu'Odinaka de son côté aussi sent la même chose que notre fille en ce moment? Je n'arrive pas à comprendre. Ma fille est en train de mourir ici. Pourquoi une telle tragédie sur ma famille? Pourquoi le Dieu me punirait-il de la sorte? Nous partirons. Oui, père, vous aviez raison. Elle a besoin de changer d'environnement. Je pense que j'en ai besoin également. Si elle changeait d'environnement, ça va beaucoup l'aider, émotionnellement parlant. C'est maintenant que mon fils parle. C'est pourquoi j'avais pris cette décision en premier lieu. Nous quitterons la semaine prochaine. Ah non, fils. Le docteur a dit que... Je m'en fous de ce que le docteur dit ou pense. Je ne peux pas rester là voir ma soeur mourir pendant que je sais que je peux l'aider. Comme je l'ai dit, nous partirons la semaine prochaine. Hey, tu travailles à 7h? Toi aussi, tu es toujours réveillé? Yeah, je ne dors pas et toi non plus. Oui, je suis en train de faire un travail. Où est ton ami? Je ne le vois pas. Oh, tu parles de Uche? Il est parti au club. Et toi, tu es ici? Je suis chez moi. Et c'est mon choix. Ok, dis-moi, tu travailles sur quoi? Bien, une présentation. Je vais aller prendre un petit déjeuner avec un client. Oh, je vois. Je peux t'aider? Parce que tu parais être un peu fatigué. Ah, ça va, j'ai fini avec l'essentiel. Juste quelques ajustements en essayant de mettre un titre. Ah, je peux toujours t'aider, non? En faisant, je sais pas moi quoi, 2-3 choses ici. Oui, je pense qu'il fait tard. Et je dois aller au lit. Ah. À demain alors. Bonne nuit. Je suis tellement excitée. Bonjour, Odinaka. Bonjour, Nzadima. Tu as passé une bonne nuit? Eh bien, ton lit était tellement confortable que
Je me suis bien endormie. J'étais vraiment au 7e ciel. D'accord. Tu as passé une bonne nuit alors. Oh, est-ce que je peux arranger les cols de ta chemise? Audi, puis-je? Bonjour à toi aussi. Bonjour. Tu disais? J'étais en train de dire que j'aimerais utiliser les toilettes. Il habite ici? Bien, pas vraiment. Ok, bien, j'ai apprêté le petit déj. Est-ce que tu... J'ai assisté à un petit déjeuner du travail, comme je te l'ai dit. Oh, désolée, j'ai déjà oublié. Mais tu sais, tu peux prendre même des tartines de pain. Ouais, j'aurais aimé, mais je suis désolé de décliner. Ok. Prends. Ça, c'est pourquoi? Frais de transport. Ah, allez. Oh non, je ne pense pas que j'ai besoin de ça. Je peux bien le faire moi-même. Je sais que les filles d'aujourd'hui peuvent prendre soin d'elles-mêmes. Mais, juste, utilise ça pour acheter des biscuits à la famille. Hey, monsieur. Je n'ai pas besoin de ça pour ma bouffe. Alors, utilise ça pour acheter ce que tu veux. Je te souhaite un bon voyage et bon retour chez toi. À plus. Merci. Hey! Tu as déposé ça ici pour qui? Désolé. Ne fais pas les sourds d'oreilles. À qui est-ce que tu as déposé ton sale gobelet? À moi? Voir la manière dont elle se jette sur lui. On ne peut qu'en arriver à une seule conclusion. Hey! Qu'est-ce que tu viens de dire? Pratique ta folie sur Odinaka, pas sur moi. Je connais bien ce genre de femmes avec l'habillement sexy ça et là que tu avais la nuit dernière et ce matin. Laisse-moi te prodiguer un petit conseil. Je te conseillerais de... arrêter ce jeu, car c'est encore tôt. Ne vois-tu pas? N'as-tu pas quelque chose à faire à la place de rester ici comme un paresseux? Jouer et montrer ta moindre importance sur une femme? Bien. L'entreprise du moins important dont tu parles vaut... plus de 3 millions de naira et ça grandit encore. Ok. Odinaka s'est réveillé le matin et parti là-bas pour faire encore plus d'argent. Et toi, tu es ici. Bien, tu es pathétiquement sous-informé pour savoir que les business se font maintenant en ligne. Et je ne vais pas chercher à me condamner juste parce que tu es sous-informé. Et pour ton bien, ne cherche surtout pas à me séduire, car si tu le fais, je me taperai bien toi et rien du tout n'arrivera. Perds-toi si tu veux. Et si tu ne peux pas laver ce gobelet, brise-le. Je ne sais pas pourquoi Sa Majesté insiste à ce que tu puisses voyager. Tu es encore convalescent, tu sais. Docteur Amanda, ça va aller. Mon frère a déjà pris des contacts. Dès que j'atterris là-bas, je serai en charge d'un docteur. Et pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai menti à tes parents. À propos de quoi? Bien. Ce n'est pas que j'ai dit que tu n'avais pas fait une crise. Non. D'ailleurs, tu prends tes médicaments.
Mais je les ai menti à propos d'une chose. Et je pense que tu dois être la première à les savoir. Savoir quoi? J'avais remarqué un changement de battement de cœur. Mais les symptômes étaient autres. Alors je voulais me rassurer. Et j'avais pris quelques échantillons pour faire le test. C'était positif. Je ne pense pas que tu seras aussi stupide de prendre le médicament connaissant ta condition. De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair pour que je puisse comprendre? Tu l'as. Et apparemment, ça a déjà quelques mois. Attends une minute, docteur. Ce n'est pas possible. J'ai mes menstrues. Ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas. Sûrement, tu as fait 2 mois sans avoir vu tes règles. Tu n'as pas remarqué ça. C'est parce que tu étais traumatisée émotionnellement. À un point que tu ne pouvais pas comprendre tout ce qui s'est passé dans ton corps. Et combien de temps? De 7 semaines? Alors, comment tu te sens? Je me sens un peu inondée. Et je ne sais même pas comment le dire. Je me sens perdue et confuse. Maintenant, là, j'ai l'impression comme si je me suis moi-même maudite. Je dirais que c'est normal. Princesse. Si les gens l'apprennent, ça sera un déshonneur pour toi. Une princesse est censée être un modèle. Et elle ne doit pas tomber enceinte avant le mariage. Docteur Amanda, est-ce que tu peux me laisser seule? S'il te plaît, ok. Prends ton temps. En ce qui me concerne, je veux que tu sois guérie totalement.